Bonjour, je voulais pas trop parler, mais enfin, en fait, je suis mort parce que je suis un herbivore. Et en fait, j'ai eu contact avec les. J'ai été en contact avec des animaux, donc ils m'ont filé des puces, et il est mort. Et de faim aussi, en même temps. Il faut que je mange de l'herbe, je peux pas faire autre chose. Donc je vais recommencer. Voilà, point de survie zéro. Enfin, ah ouais, j'ai quand même quelques points, mais bon. Donc en fait, dans ce jeu, vous incarnez plusieurs animaux de votre choix qui sont débloqués selon vos aptitudes par la suite. Et on va avancer ça. Et en fait, vous pouvez aussi vous donc vous survivez, vous vous défendez, vous vous cachez, vous vous reproduisez. Donc vous avez plusieurs types de reproduction. Avec des partenaires non malades et avec des partenaires malades ayant des puces. Donc la partenaire non malade va demander un certain niveau de compétences pour s'accoupler. Et la personne qui est malade par contre, enfin avec des puces, va au contraire vous poursuivre pour s'accoupler avec vous. Le problème c'est que si vous le faites, vous allez attraper des puces, vous allez mourir. En revanche, les bébés ne seront pas contaminés. Donc vous pouvez incarner un bébé avec une meute, avec donc ses frères. Voilà. Donc là, je vais start. Bon, ça j'ai compris, fermé. Donc je vais rejouer. Survie. Quand vous mourrez quoi, il n'y a pas de sauvegarde. Hein. Donc là, on peut choisir plusieurs types d'animaux. D'accord. Là, je vais prendre... changer. Je vais prendre le petit chien. Chaque animal que vous allez prendre, vous allez réussir, va débloquer un autre. En fait, vous avez des challenges en fait. Vous avez des challenges. Donc là, on peut. Voilà. Là, c'est moi. Donc là, je suis un carnivore. Donc du coup, je peux. Là, je vais pas le faire là tout de suite. Alors, je peux boire de l'eau. Ouais. Je peux me cacher. Je bois de l'eau. Vous voyez? C'est essentiel à ma survie. Bon, la musique à terme, je vais l'enlever parce que c'est pas fou. Vous avez une map. Donc la map est là. Donc, c'est quand même assez grand. Je sais pas comment on se déplace, mais c'est assez grand. C'est de la 2D, mais en profondeur. Et vous pouvez passer dans un autre champ en faisant profondeur. Arrière ou avant. Là je peux marquer mon territoire aussi. Je peux me cacher ici. Je vais pas manger d'herbe parce que c'est pas pour moi. Donc là je commence à avoir faim ici. Vous avez des jauges ici. La vie, la faim, l'endurance. Il va falloir que je chasse. Voilà. Je peux prendre ma proie et l'emmener dans un coin. Pour la manger. Voilà, histoire que je ne me fasse pas attaquer pendant que je mange. Voilà, là j'ai mangé, j'ai couvert ma faim. Hop, je marque mon territoire, ce qui vous permettra d'avancer dans l'évolution. Donc c'est un jeu qui est très très bien, franchement. Là je peux voir. Donc là tout va bien pour moi pour l'instant. Alors il se cache automatiquement dans les herbes, il se cache, automatiquement il se met à plat. Vous pouvez rencontrer toutes sortes d'animaux, des singes, des plus coriaces. Hein. Ça va même jusqu'au vélociraptor ou un truc comme ça. Donc, les crocodiles aussi. Alors, vous pouvez trouver des objets aussi, des objets cachés. Je sais pas quoi ça sert par contre, pour un codex ou un truc comme ça peut-être. Là vous voyez je peux aller de ce côté en fait. Voilà, et là on passe donc sur une autre... C'est pas mal foutu je trouve. Alors là apparemment il n'y a personne, c'est pas ce que je vois. Je vais aller marquer mon territoire. Je commence à avoir vraiment faim et je vais avoir des problèmes là.
faut que je mange juste quelque chose, sinon je vais crever. Ouais, tu as faim, ouais, je sais. Je vais mourir de faim là encore. Ah, un cadeau. Alors ça c'est pour un objet abandonné par les humains. Diverses fonctions utilisent à bon escient. Appuie sur la touche d'eau pour les... Voilà, c'est un shampoing anti-puce. Donc si je suis contaminé, je pourrai l'utiliser. Voilà, là je vais manger, tu sais, parce que j'avais faim. Voilà, on peut jouer en coopération, bien sûr. Toxicité plus 1, le chien était malade. Donc je vais utiliser... non, l'antipute, ça sert à rien. Je vais mourir, en fait. Ouais, je vais le crever, là. Bon, je vais utiliser le shampoing antipute, mais à mon avis, ça va pas me servir. Non, ça ne sert à rien. Le chien était malade. Voilà. Donc... je vais mourir dans pas longtemps. On n'a jamais vu ça, un Yorkshire se battant contre des singes. C'est le cas là. Je vais me cacher. Je peux me cacher. Donc là, il me voit ici. Mais je vais mourir. Là, on peut voir qu'ils ont excité le veau là. Et le veau, comme ils ont tapé le veau, le bœuf là en même temps. Hein, je suis mort. Voilà. En fait, moi, je me suis attaqué au singe. Les singes ont frappé le veau là. Le bison ou le bœuf, on ne sait rien. Et du coup, le bœuf s'est attaqué à eux en fait. Donc ça c'est pas mal, l'interaction c'est pas mal. Je vais refaire une fois, mais je vais prendre le... Je vais reprendre la biche, parce qu'en fait elle se nourrit d'herbe, c'est peut-être mieux pour moi. Donc il faut pas tout manger ce que vous trouvez sur votre route, parce qu'en fait, à un moment donné vous allez avoir faim. Et le problème, c'est que ben, vous n'aurez plus à manger autour de vous si vous mangez trop tout, n'importe comment. On peut voir qu'à chaque fois, on recommence. Alors, hop, je prends un herbivore. Voilà, ça sera la dernière partie que je fais, en tout cas. C'est vidéo plaisir, hein. Je ne présente pas le jeu vraiment. Donc là, vous voyez, voilà, c'est très mignon. Donc je peux manger. Là, pour l'instant, ça va très bien. Je vais pas avoir un contact avec les animaux. Parce que s'ils sont malades, je vais avoir des problèmes. Donc, je peux sauter des trucs comme ça. Donc, ouais, voilà. Faire des trucs comme ça. C'est pas mal. Je vais marquer mon territoire déjà. Ça, je peux le faire. Ok, je vais aller là-bas, je vais le faire aussi. Je ne vais pas déranger les animaux. Ils sont là. Voilà. Je peux boire un peu. Ça, je peux. Non. Voilà. Voilà, là, je prends un deuxième territoire. Enfin, il faut trois deuxième checkpoint. Je vais en prendre un troisième. Me nourrir. Voilà, mélange d'herbes. En plus, j'ai un défi, mélange d'herbes. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, mon territoire ici. Un dernier checkpoint. Voilà. Là maintenant, allez.
Voilà, là maintenant j'ai validé normalement le. Ah non, pas encore, il m'en manque un. Alors, il y a des animaux qui dorment, faut faire attention. Alors, si je m'attaque à des poussins, les poussins vont m'attaquer. Hein. Vous pouvez incarner un poussin d'ailleurs à un moment donné aussi. Vous incarnez toutes sortes d'animaux, en fait tous les animaux qui sont là à présent, je pense que. Voilà, je les attaque pas les poules, elles m'attaquent pas apparemment, tant mieux. Mais elles sont pas carnivores les poules, donc ça va. Voilà, tu peux désormais utiliser le repère, je sais pas quoi. Voilà, défi réussi, mélange d'herbes, bon ça c'est bien. Après je peux m'accoupler donc et trouver une femelle, donc pas contaminée si possible. Sinon je perdrai la vie et je me réincarne dans un petit. Ou alors si je suis pas, si elle est pas malade, et bien en fait je me retrouve avec des petits qui me suivent. Voilà. Et donc j'ai plus de chances de me défendre et voilà. Et un cadeau. Alors ça c'est ok. Je sais pas comme cadeau. Ah, y a pas. D'accord, c'est une carte. Je crois que c'est une carte. Ah, y a une femelle par là, donc on va aller voir. Voilà, est-ce qu'elle est compatible ou pas? Oh mince, c'est une femelle désespérée. Donc ça veut dire que, bon, je vais me la faire suivre, c'est pas grave. Comment je fais pour aller à mon temps? C'est-à-dire qu'elle est malade, donc... Et moi aussi, elle m'a contaminé. Donc il faut vite que je trouve mon nid, là. Et elle a des cœurs noirs, en fait. Donc on va passer par là, on va aller dans mon nid, en fait. Allez vite. Voilà, on va aller là, c'est pas grave, on va s'accouper vite fait. Ah putain, il reste. Allez, elle va venir, non? Allez, viens. Elle est où? Elle est là. Allez, il y a pas. Voilà. En fait, on va aller là, c'est pas grave. Je vais mourir, certainement. Voilà. Là, il vous montre que la bestiole va. Voilà, on a compris. Et en fait, maintenant, l'autre est mort, je suis un petit maintenant. Voilà. Donc maintenant, je pars avec les autres. Bon, j'ai un succès. Voilà, maintenant, je suis tout petit et ben, je progresse, quoi, en fait. Mais sauf que je suis avec des. Avec des frères. Voilà, j'ai un frère ou une soeur, je crois. Donc ça contamine pas les petits, en fait. Là pour trouver à manger ça va être dur. Là, il y a un marcassin, au lieu que je m'en aille. Pas toucher trop les animaux, donc parce que si on est contaminé après, c'est pas bon.
que je mange, là, j'ai plus rien. Il n'y a rien à manger, là, je vais avoir des problèmes. Alors vous noterez que mon animal a grandi. Parce que les années passent en fait. Voilà, super. Il y a le jour et la nuit, hein. Il y a le cycle jour-nuit, donc il faut faire attention. Un cadeau encore. C'est quoi ça? Ah, une indication. Un costume, d'accord, oui. D'accord, donc je peux avoir un costume. C'est-à-dire que je peux mettre une casquette ou un truc comme ça, donc c'est pas ça. Une visière, voilà, j'ai une visière à mon truc. C'est quoi ça? Là j'ai une peluche, je vois pas à quoi ça sert. Ça marche. Voilà, donc j'ai une, deux petites peluches sur moi, je vois pas trop à quoi ça sert. Faut voir qu'il y a différents animaux là maintenant. On va encore manger. Voilà, on va en garder, on va pas tout manger. Enfin, attention, il y a des moutons. Bon, je ne suis rien, c'est des herbivores. Encore un cadeau. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est quoi ça? C'est un aliment de premier choix, d'accord. Ok, c'est si j'ai faim, bah, je mange ça. Ah, il m'attaque. Il m'attaque, c'est des chats qui m'attaquent. Ils m'ont tué mon frère en fait. Ouais, c'est bon. J'ai gagné un niveau, je crois. Ah, toxicité. L'eau était contaminée. Ah, pétard. Donc, du coup, j'ai pas de... Ah, antipuce, non. Et réduit la toxicité, il est marqué. Ok. Alors, j'ai bu une potion. On va voir que c'est la nuit, là. Je vais mourir intoxiqué. Il n'est pas facile le jeu. Hein. Dix ans, ça fait 10 ans de survie là. C'était l'eau qui était contaminée. Bon, combien il reste de temps là? On va dire 6 minutes, ok, d'accord.
Bon, je vais arrêter là, hein, je pense. Alors, il n'y a pas moyen de sauvegarder, hein, j'ai pas vu. Si je fais ça, costume, archive, costume. Je vais virer le truc, hein, voilà. Vous avez des listes de défis, donc voilà. Vous avez pas mal et ça débloque plein de trucs en fait. Le territoire est pollué, il y a marqué. Ah, il y a marqué territoire pollué. Donc il vaut mieux que je m'en aille. Faut vite que je mange, là, je suis intoxiqué. Faire des trucs comme ça aussi. Ah, on peut se mettre, d'accord. On peut le faire tout le temps en fait. On peut se cacher même pas dans les herbes en fait. On peut se cacher comme ça. Niveau de toxicité augmenté, donc voilà, ça c'est pas bon. Je vais mourir. 54 de toxicité, j'ai. Bon, un peu d'eau. Ah, ça me fait baisser l'eau, mais pas beaucoup. Sur moi, j'ai rien du tout. Je pense pas qu'il y ait dans mon nid un truc, je pense pas. Ah. Impossible de re. Alors peut-être que j'ai deux chances de vivre en plus parce qu'il y a deux frères ou quoi. Je sais pas. J'avais pas à manger là, je suis un peu déçu. Tu as faim, ouais, voilà, ouais. Je vais pas tenter à crever, je pense. Mais à mon avis, ça va pas le faire. Ah si. J'ai eu de la chance, hein. Apparemment, je suis intoxiqué, mais je meurs pas. Territoire pollué, voilà. Ils disent que là le territoire est pollué. Donc, là.
Ah, je mange là, ça va mieux là. Toxicité zéro. Parfait. Encore des chats, c'est pas possible. Oh là là, ça c'est bête. Hein. Bien, je t'en prends un petit plus, on sait jamais. Ils m'ont tué. Tué par des chats. Et ils se tuent entre eux d'ailleurs, entre les singes et les chats. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.